tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, on est dimanche et maintenant tous les dimanches je tournerai la vidéo pour montrer notre avancée de la semaine sur nos toiles. Donc quand je dis notre avancée, c'est bien nos, parce que moi et monsieur on fait tous les deux du diamond painting. D'ailleurs peut-être que par moment maintenant vous aurez des vidéos où c'est monsieur qui fait du diamond painting et c'est pas moi, parce que ça sera notre chaîne à nous deux mais le nom de la chaîne reste le même. Donc, parce qu'il y a des fois, j'ai pas forcément envie de filmer et tout bêtement, de faire des vidéos. Et du coup, monsieur, lui, il fait du diamond painting tous les soirs quasiment. Donc lui, il aurait le temps de tourner une petite vidéo. Donc on verra bien. Donc première toile que j'ai finie cette semaine. La taille est un peu juste. On nous l'avait offert pour la petite et j'en ai encore quelques-unes des comme ça. Donc, une toile petit poney, un peu, vous l'avez vu hein, dans quelques vidéos en arrière, avec une toute petite licorne là. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu juste au niveau de la taille, mais ça fait style aquarelle, c'est pas trop grave. Donc je l'ai accroché sur le mur de sa chambre, voilà. D'ailleurs, on m'a demandé, puisque j'en avais parlé, de faire une vidéo sur la chambre de ma fille, donc j'y réfléchis. Mais je pense que oui. Là, j'ai fini celle-là hier soir. Donc ça, c'est pareil, c'était une oubliée. Vous avez une vidéo aussi dessus. C'était avec celle-là, avec le petit poney. Et celle-là était oubliée au fond d'un placard. On avait fait d'autres toiles et ça, c'était rangé. Et on les a retrouvées, donc je les ai finies. Voilà, ça y est, elle est finie. C'est une 20 par 30. Donc au niveau des détails, en caméra, ça fait assez joli. En vrai, il faut se mettre un peu loin pour regarder quoi. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et quand la personne m'avait offert cette toile-là, elle m'a offert la même en 30 par 45. Donc, prochainement, on fera la 30 par 45. Mais avant, j'en ai encore beaucoup à faire. Et du coup, ça sera pas maintenant. Et celle-là, je vais pour l'instant... pas couper le papier parce que j'ai pas de cadre et vu qu'on est en confinement, je ne peux pas aller acheter un cadre. Mais dès que je pourrai, je vais acheter le cadre. Là, les vernis pour plus que ça bouge. Et on coupera tous les bords et on mettra en cadre. Et en attendant, elle va rejoindre la porte de ma cuisine. Puisque c'est de la nourriture, voilà. Alors, toile que l'on a fini ensemble, puisqu'on avait travaillé tous les deux dessus avec monsieur. Donc celle-là. C'est la toile des Baudins à Fort-Boyard. Donc ça, c'était impersonnalisé. Désolée pour le bruit du portable. C'était impersonnalisé qui avait été offert à mon fils. Alors moi, j'en ai fait un peu. Son papa en a fait un peu. C'est surtout lui qui l'a fait en plus grosse partie. C'était un 50 par 70. Ouais, un 50 par 70 qui venait de chez Yuashina Store. C'est en rond et puis il rend super bien. Le cadre vient de chez Action quand on pouvait encore y aller. Je l'avais acheté d'avance quand on a commencé la toile. Donc voilà. Et alors maintenant les avancées de la semaine du coup. Alors moi qui faisais cette toile là quand monsieur a fini la toile des Baudins et qu'on veut la finir avant Noël, monsieur s'est mis sur celle-là, donc il y a eu un bon avancé. Dites-moi si ça vous intéresse hein, vraiment de savoir nos avancées de la semaine. Donc voilà. Et moi, du coup, j'ai pris celle-là que j'avais commencé il y a quelques semaines, avant de commencer la Disney, mais que du coup, bah, j'avais pas fait. Et que j'ai dit, bah, la Disney serait bien. Et c'est celle-là. Elle vient de chez... Ibroderie diamant, c'est pour ma petite chiasse, ma fille. Et donc du coup, il n'y a que ça de fait pour l'instant. Donc c'est celle-là que je vais faire. Bon. Je ne sais pas si par transparence on va voir. Non. Voilà donc pour ma petite vidéo. Pour vous présenter, on en était dans nos toiles, ce qu'on avait fini. Donc si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et tous les dimanches, je tournerai la vidéo pour que le lundi ou mardi, vous ayez la vidéo pour savoir tout ce qu'on a fait de la semaine. Voilà, gros bisous à tous et à bientôt dans une autre vidéo. Bisous.